Salut, salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action et nose. Donc, je vais essayer de séparer ce que j'ai acheté chez Action. Je suis tout tombé, c'est pas grave. Et ce que j'ai acheté chez nose. Bon, bah, de toute façon, chez Action, j'ai acheté que des découpes, donc ça va être vite fait. Alors, chez Action, j'ai trouvé ces pochettes de décoration. On en avait déjà eu. Et là, je suis retombée sur des nouveaux, je crois. Donc, ben voilà. Donc, j'ai pris trois pochettes de chaque, je crois. Du coup, là, j'ai pris les fleurs. Je vais en ouvrir un. Ben, j'ouvre chaque, hein, mais un de chaque, en fait. Donc, là, j'ai pris les fleurs. J'adore ces décorations, j'en ai déjà plein des derniers sets qu'on avait eu, que j'ai mis dans une boîte. Ceux-là vont les rejoindre. Mais j'adore les fleurs, tout ça, j'adore. Je trouve que pour embellir une carte, ça peut être super sympa. Une page, peu importe. Enfin, voilà, moi je les aime beaucoup, ces décos. En plus, il y a du foil dessus, je les trouve super sympas. Je trouve que, voilà, quoi, c'est coloré, c'est... J'adore. J'adore celle-ci. Elle est vraiment trop belle. Et donc, je crois qu'il y en a deux ou trois à chaque fois. Mais c'est super beau, hein. Vous pouvez faire des montages avec la mousse 3D qui est fournie. Donc là, vous avez les fleurs. Sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup. Je suis pas trop fleur, hein, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé, mais j'aime bien en mettre des fois de temps en temps sur mes créas. Donc là, j'ai pris les fleurs. J'ai dû en prendre que deux pochettes de fleurs parce que, ou une, je sais plus. Celui-là, je l'ai trouvé super sympa parce que j'aime beaucoup le hérisson qu'il y a dedans. Hop là. J'aime beaucoup aussi ce style de champignons. Voilà. Les pommes de pin. Le hérisson, je le trouve trop choupi. Bon, là, il manque des morceaux de 3D. Hein. On met action. Heureusement que j'en ai dans la maison. Le rouge-gorge est juste excellent. Là, vous avez les écureuils. Bon, ça, c'est plus pour Halloween, mais bon, Halloween est passé, mais c'est pas grave, on les mettra de côté pour l'an prochain. C'est jamais perdu. Là, vous avez des feuilles, des glands, des champignons, je crois encore. Voilà. Là, vous avez des coques de marron ou de châtaigne. Des feuilles. Ah, un petit fantôme. Donc, ouais, c'est bien Halloween. Oh, ça, c'est beau. Mais ça peut servir aussi pour l'automne, donc c'est pas gênant. Mais tout ça, je mettrai de côté pour l'an prochain parce que là, j'ai envie de scraper un peu le beau temps, j'avoue. J'en peux plus l'hiver déjà. Je suis pas quelqu'un qui aime l'hiver. Moi, il me manque du soleil, là. J'ai besoin de vitamine D. Je sais pas pour vous, mais moi, je suis. Ça me fatigue en fait. Je suis quelqu'un qui aime le soleil. Ah bah celui-là c'est le même, donc je vais pas vous le montrer. C'est bizarre, je croyais avoir pris. Ah bah voilà, c'est les plumes. Là vous avez des plumes. Là, ça doit être des cactus. Ah, j'ai oublié de remettre une ça. Une ça. Je trouve pas mes beaux ce matin. En plus, je suis bien prise, mais je suis pas malade. Parce que j'ai été chez le médecin. Elle m'a dit que c'était mes allergies. Alors, ben, c'est bien. C'est que je suis en allergie 365 jours par an maintenant. Donc, ça, c'est top. Là, il me reste une semaine de travail avant les vacances de Noël. Je vous assure que je suis tellement crevée que je sais même pas si je vais tenir. Alors, j'adore mon boulot, j'adore les écoles où je suis et tout, mais je suis exténuée. Bien pis, en plus, je fais trois écoles différentes maintenant. Donc, ben, je cours. Alors, vous avez des pots.
Des cactus, c'est bien ce que je disais. Des petits pots comme ça. Encore des fleurs. Ah, ça, c'est super joli. Je rapproche là, vous voyez rien. Le pot avec les cactus dedans, c'est super beau. J'aime beaucoup. Ah si, ça va faire des chouettes créas là, des belles cartes. Ou des beaux albums, hein. On peut mettre ça sur les albums, c'est super sympa. Je les avais pas encore trouvés, alors je pense que c'est pas nouveau, hein. Je crois les avoir déjà vus sur des chaînes des copines. Mais moi je les avais pas trouvés. En même temps, chaque chose, je les ai trouvés au rayon enfant, où il y a toutes les papiers cadeaux, les pochettes cadeaux et tout ça. C'est là que je les ai trouvés, en fait. Et là, vous avez les plumes. Donc, des plumes, on en avait déjà eu. Un peu plus colorées. Et là, ils sont plus sur le ton hiver, vous voyez. Et franchement, j'adore celle-ci. En plus, il y a du foil, je sais pas si vous voyez. Celles-ci aussi, elles sont super belles. Ah, je suis bien arrangé. Alors, je dors sous avec des antihistaminiques. Mais le matin, je suis encore. Je suis pas bien, quoi. Ah, c'est pas beau de vieillir, je vous jure. Elles sont jolies, hein, les plumes. Je passe du coq à l'âne encore. Comme vous voyez, j'ai encore du mal à me servir de mon doigt. Hein. Ben, en fait, c'est parce que je ne sens pas ce que je prends. Donc, ouais, je l'ai fait tomber. Elles sont toutes petites, celles-là sont rigolotes. Je trouve que ça peut faire super sympa sur une créa. Voilà, donc ça c'est chez Action et c'est tout ce que j'ai pris chez Action. Ensuite, je suis retournée chez Nose. J'ai trouvé des 6 fleurs d'hortensia. Donc à 1,50€, on va les ouvrir. Mais moi, je vais pas mettre tout hein, comme ça. Vous voyez, je vais les séparer plutôt dans ce style-là pour pouvoir les coller sur des créas. Ce sera nettement mieux parce que là, ça fait gros quoi. Mais en coupant là, on peut avoir un truc assez sympathique. En plus, avec les pistils que j'avais acheté chez Action la dernière fois, ça peut être sympa. Donc voilà, vous en avez 6. Mais vous pouvez les séparer. Donc ça vous en fait nettement plus. Vous voyez? Donc voilà, les plantes en hortensia. En plus, après, j'ai pris. Donc là, ça, je mets ça là, puisque ça, c'est ce que j'ai déjà fait en haul. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon 1,99€. Alors, vous avez un lustre, une danseuse, une limousine, un violoncelle ou un violon. Vous avez des gens. Bon. Et le tampon VIP. Donc, je trouve ça plutôt sympa. Et je l'ai payé 1,99€. Donc, je l'ai pris deux fois. Je vous expliquerai après. J'ai trouvé celui-ci. Avec un nœud. Une rose des vents. Un voilier. Une lanterne, un phare et l'encre. Je la trouve juste trop belle. Je sais pas si vous voyez bien. Je les trouve trop beaux. Et je l'ai payé 99 centimes. C'est pareil, j'ai pris une deuxième planche. Ensuite, j'ai trouvé celui-ci. Alors, ça fait très Noël. Je sais pas si vous voyez parce que du coup, c'est transparent.
Voilà. Hop, je l'ai payé 30 centimes aussi. Donc vous avez des sapins. Un sapin comme ça. Merry Christmas, Happy Holiday, étoile. Des petites feuilles, Let It Snow, Special Delivery Greeting, Christmas Time. C'est que des mots en anglais. From Santa, Happy New Year. Voilà, to from. Donc ça, c'est pour faire les étiquettes cadeaux. Je trouve ça plutôt sympa et je l'ai payé 30 centimes. Par contre, celui-là, je l'ai pris quand une fois. Ensuite, j'ai pris la toile de tulle. 79 centimes. Il y en a 6 pour faire des crayons. Je trouve que ça peut être sympa pour mettre sur une création vintage, faire un journal, enfin bref, quoi, vous m'avez compris. Ça, je trouve ça plutôt sympathique, j'en ai pris deux. Ensuite, j'ai pris des die-cuts. 79 centimes. Bon, je vais pas trop les ouvrir parce que de la marque... Strated Face, Lazy, quelle attendez. Ça doit être ça doit être un Illustrated Face, je crois, mais de la marque, je sais pas. Fabriqué aussi, nanana. Bella, BLVD, je crois, ou un truc comme ça, point net. Donc, il y a même un site internet. Donc, j'ai pris trois comme ça, et... Un comme ça. Je suis étonnée, je pense en avoir pris plus des comme ça, mais c'est des étiquettes. Donc ceux-là, vous voyez, je ne vais pas trop ouvrir parce que sinon je ne pourrais pas les remettre dans la boîte. Vous avez des papillons, des cœurs, lunettes, des hexagones, des flamants roses, des appareils, des Insta machin là, des livres, encore des cactus. Et donc ça, je les ai payés 79 centimes. Donc, ben, c'est plutôt sympathique que comme j'en ai pris trois, j'en mets un là. Et ça, c'est des étiquettes. Ouais, enfin, c'est pour faire des intercalaires là. Donc, je les trouve plutôt jolis aussi. Et ça valait 79 centimes. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, comme si j'avais pris qu'un. Voilà, je les mets les trois. Ensuite, j'ai pris... Du ruban tissu à 79 centimes. Vous avez 1,5 cm sur 2 mètres. Donc vous avez des points avec des petits nœuds là. Si vous voyez bien, voilà. J'en ai pris un comme ça. Et j'en ai pris deux comme ça. Donc là, ça fait comme des chevrons un peu. Un grillage un peu. Enfin, un grillage. Là, je me comprends, quoi, c'est croisé. Il y en a un qui va là et un que je garde pour moi. Et ça, j'ai payé ça 79 centimes. Alors, pourquoi ce tas-là? Parce que, comme vous le savez... attendez, il y a le dernier aussi que je me suis pris, que j'ai oublié de mettre. C'est comme un maître de couturière. Je sais pas si vous voyez. Et je trouve ça plutôt sympa pour mettre sur une bord de création. Voilà. Alors, pourquoi ce tas-là? Je reviens à ce tas-là. Parce que, comme vous le savez, grâce à vous, on a passé les 1000 abonnés. Et du coup, ben, je ferai un concours certainement en début d'année. Et ben, je commence à faire mon petit carton, comment dirais-je, pour mon concours. Donc ça va rejoindre le carton du concours. Donc déjà, vous voyez, ça commence. Il y aura deux planches de tampons, un ruban, des die-cuts. Et à fur et à mesure que j'achèterai des choses qui me plairont à moi, ben je prendrai en double pour mettre dans le carton du concours. Donc ça va pour le concours. Donc je vais le mettre dans un carton bien à part, que je vais marquer concours. Et on fera ça après les fêtes de fin d'année, parce que là, on est trop occupé. Donc ce sera certainement mi-janvier, fin janvier, par là, on fera le concours des 1000 abonnés. Bon, je suis un peu en retard, vous allez me dire, parce que voilà, on est déjà à 1100. Mais je mettrai ça, je mettrai certainement une créa que j'aurais fait. Et voilà. Donc, ben, pour le moment, je commence.
Parce que bah, je préfère prendre mon temps et mettre des trucs sympas et chercher. Bon, après, comme si je fais suivre mes finances, hein. Donc, bah, c'est pour. Voilà quoi. Puis après, c'est une question de faire plaisir. Hein. Et pour vous remercier, bien sûr, d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Voilà. Bon, bah, écoutez, vous voyez, vous avez déjà le début du lot des 1000 abonnés. Je vais pas mettre 3000 choses dans le carton, je vous l'avouerai franchement, mais je pense que ce que je mettrai vous fera plaisir. Voilà. Donc ça, c'est un premier jet de ce que vous aurez dans le carton du lot des 1000 abonnés. Voilà. Bon, bah écoutez, moi en tous les cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.